Pendant cette incarnation de Dieu sur terre, Dieu fait son œuvre parmi les hommes. Toute cette œuvre n'a qu'un seul but, vaincre le diable, Satan. Il vaincra Satan en conquérant l'homme et en vous rendant parfait. Quand vous portez un témoignage qui résonne, ce sera aussi un signe de la défaite de Satan. Dieu s'est incarné juste pour vaincre Satan et sauver l'humanité. Pour que Satan soit vaincu, l'homme est d'abord conquis, puis rendu parfait. Rendu parfait. Oh, 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 oh. Mais en substance, en vainquant Satan, Dieu sauve l'homme de ce monde de douleur. Peu importe si cette œuvre est accomplie en Chine ou partout dans l'univers, le but est de vaincre Satan et de sauver l'homme pour qu'il puisse entrer dans le lieu de repos. C'est pour vaincre le diable Satan. Dieu s'est incarné juste pour vaincre Satan et sauver l'humanité. L'incarnation de Dieu dans une chair ordinaire est précisément dans le but de vaincre Satan. L'œuvre de ce Dieu de chair est de sauver tous ceux qui aiment Dieu sous le ciel. Le but est de conquérir toute l'humanité. Le but est aussi de vaincre Satan. Oh, 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 oh. Le cœur de l'œuvre de Dieu est indissociable de la défaite de Satan. Pour le salut de l'homme, Dieu s'est incarné juste pour vaincre Satan et sauver l'humanité. Dieu s'est incarné juste pour vaincre Satan et sauver l'humanité. Sauver l'humanité, il sauve toute l'humanité. Il sauve toute l'humanité. Il sauve toute l'humanité. Oh, oh, oh.